Les amis, je sais, les dernières annonces, pardon. On crie dès le début, allez. Les amis, je sais, les dernières annonces de Jean Castex nous minent quelque peu le moral, mais qui dit confinement dit moins d'argent dépensé dans les sorties, donc plus d'argent pour les sapes. C'est parti pour l'épisode 36 de Chopsa. À la une, New Balance et Stone Island nous ont fait terminer la semaine dernière en beauté en annonçant leur nouvelle collaboration. Alors oui, les deux marques n'en sont pas à leur coup d'essai, elles ont déjà travaillé ensemble en 2013 autour d'une édition limitée de sneakers, mais cette fois-ci, il s'agit d'un partenariat sur le long terme. Plusieurs paires devraient voir le jour au cours des prochaines années, ça promet. Réseau, autre actualité pour New Balance avec l'arrivée de nouveaux visuels pour sa collaboration avec Bape. On sait désormais grâce à David Gibson, product manager chez New Balance, qu'il s'agira de deux paires de 2002 Air, l'une verte, l'autre grise, et ça devrait arriver en avril prochain. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous parlais de la nouvelle collaboration entre Nike et Skepta autour d'une paire de Air Max Tailwind 5, vous savez, celle qui ressemble à Spider-Man. Et bien sachez qu'un nouveau coloris vient de faire surface sur les réseaux. Cette fois, on est sur des nuances de bleu, tandis que la structure, elle, reste inchangée. Cerise sur le gâteau, ces sneakers seront accompagnés de survêtements assortis. The Beast frappe encore très fort avec une nouvelle vente aux enchères. Cette fois, la société s'est associée au magasin English Soul pour mettre en vente 50 paires de Nike et Jordan ultra rares. On a des Air Yeezy 2, on a des Colette Air Jordan 1, bref, un sacré pactole estimé à quand même 800 000 $. Collab, Daniel Arsham enchaîne les collaborations ces derniers jours. D'un côté, l'artiste a travaillé avec The Weeknd autour d'une collection d'apparel pour célébrer les 10 ans de la mixtape House of Balloon. Et de l'autre côté, Daniel Arsham a collaboré avec Ikea. À l'occasion du Art Event 2021 organisé par la marque suédoise, Daniel Arsham a imaginé cette magnifique horloge disponible au mois de mai sur le site d'Ikea. Vivienne Westwood et ASICS poursuivent leur collaboration. Cette fois, les deux partenaires se sont intéressés à la Gel Kayano 27 LTX. On est sur un look très audacieux, très futuriste, disponible en 3 coloris, vendu au prix de 240 €. Alors oui, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est justement ce qui fait tout son charme. Ça vient de tomber, Pata et Nike sont prêts à refaire équipe cette année. Une très bonne nouvelle qui s'accompagne de premiers mock-up. Apparemment, les deux marques pourraient s'intéresser une nouvelle fois à la Air Max One et préparent deux nouveaux coloris pour ce modèle. On parle même déjà d'une sortie à l'automne prochain, restez connectés. Insolite, Valentino innove avec ses nouvelles sneakers. On est sur une tige très originale en crochet, fabriquée main et vendue 790 €. Une chose est sûre, cette paire a clairement toutes ses chances de devenir la sneakers préférée de votre grand-mère. Sortie, on continue avec les dates à ne pas louper. On commence avec Adidas et la sortie des Pharrell Adidas Human Race NMD Pink le 27 mars prochain, suivi de la sortie des Yeezy 500 Frosted Blue au mois d'avril. Deux nouveaux coloris sont attendus pour la Reebok Pump le 2 avril, suivi par la collaboration ASICS Coca-Cola le 9 avril. Côté Nike, la Dunk West et Deuce dropera le 6 avril. On attend également la Nike SB Dunk Low ACG Caldera à la même période, sans oublier la sortie de deux nouveaux coloris pour les Nike Sakai Vapor Waffle qui sortiront finalement le 27 avril. Et enfin, on termine avec la sortie des Air Jordan University Blue le 28 avril. Fashion faux pas, Tommy Cash a encore frappé. Après avoir imaginé la sneaker la plus longue du monde avec Adidas, le rappeur collabore aujourd'hui avec Maison Margiela. Résultat, on se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle paire de chaussons en forme de pain vendue 95 €, soit l'équivalent du prix de 112 baguettes. Voilà, est-ce que vous voulez de cette information? Zoom, comme à son habitude, Josman nous régale côté style avec une casquette Maison Margiela à 160 € dans Goal. Rimka mis sur une paire d'Off-White Air Jordan 1 à 180 € prix retail dans son dernier clip. Codes parie sur une doudoune Moncler à 1295 € dans Avoir et Être. Gazo porte une banane Gucci à 980 € dans le clip On A. Coup de cœur, on termine cet épisode avec la nouvelle Stan Smith d'Adidas. Ce grand classique se réinvente aujourd'hui dans une version à 50% recyclée. Une très belle initiative de la part d'Adidas qui tend à devenir une entreprise de plus en plus éco-responsable. Et ça, je ne peux que valider. Et voilà les amis pour cet épisode 36 de Chopsa. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Personnellement, c'est toujours le cas en votre compagnie. On se voit vendredi prochain, 17 h. D'ici là, prenez soin de vous et soyez stylés. Ciao.